Bon, je vais aborder un sujet qui me tenait énormément à cœur. Parce que ces derniers temps, ça m'a fait très très mal. Tout le monde crie, waouh! Les Black Friday là. Connaissez-vous la définition de Black Friday? Hein? Définition de Black Friday, tout simplement. On bradait les noirs qui étaient invendus et qui n'étaient pas capables de faire les tâches ménagères demandées par leur esclavagiste. Esclavagiste. Donc, ils ont créé le vendredi noir pour se débarrasser des noirs. Voilà, on bradait les noirs à l'époque quand le noir était une marchandise. À l'époque, pour les gens, les noirs, c'était un objet comme actuellement. Voilà, on achète un objet sur des sites, sur ainsi de suite. Donc, on ne nous respectait pas. Jusqu'à maintenant, le nom est resté et nous, les noirs, on court pour faire le Black Friday. Mais c'est qu'on ne respecte pas nos ancêtres. Déjà que les autres, eux, ils ne respectent pas nos ancêtres. Mais nous, les Noirs, nous-mêmes, on va se précipiter en criant le Black Friday! Alors que tes ancêtres, s'ils étaient vivants, ils allaient se retourner en disant, What the hell is this? On ne respecte pas, nous, les Noirs. On nous crée un Black Friday. En Libye, on nous vend encore comme à l'époque de l'esclavage. Quand est-ce que nous, les Noirs, on va se réveiller? As black people, please, wake up. Why you sleep anymore? Hey, wake up, man. Je trouve pas les mots. C'est franchement, quand j'en parle, c'est... Hey, savez quoi? Lors du reportage de CNN en Libye, hein? Des îles comme La Réunion, des îles comme Guadeloupe, des îles comme Haïti, des îles comme Martinique, des îles comme Saint-Martin, même des gros pays comme les États-Unis où il y a plein de Noirs, ils auront dû faire des manifestations de malades parce que dans ces îles-là, c'est là-bas même qu'il y a des vrais esclaves. Et ils auront dû péter un câble alors que c'est nous, en métropole, qui avons pété un câble. C'est pas normal. Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Saint-Martin, Haïti, toutes ces îles-là où vraiment ils ont déporté tous nos ancêtres là. Eux, ils ont dû péter un câble, ils ont dit, mais c'est inadmissible, c'est intolérable. Ils ont. Donc, hey, le Black Friday, ça fait mal au cœur. Moi, ça me fait très très mal au cœur. Je ne supporte pas ce nom-là. Je ne supporte pas ce nom-là. Je suis contre l'injustice. Bah oui, bah oui, j'aime pas l'antisémitisme, j'aime pas le racisme, j'aime pas qu'on dénigre les gens, je suis pour que on puisse vivre dans une société meilleure. S'il vous plaît, arrêtez avec vos Black Friday. On devrait manifester pour qu'on retire ce nom. Pourquoi on n'appelle pas ça tout simplement le vendredi des achats? C'est tout. Pourquoi le Black Friday? Toujours à chaque fois pour salir le noir. Et nous les noirs, on est propres. Dans la journée, on va se laver au moins 4 fois. Ah oui, moi tous les jours, je suis au sport. Avant de partir au travail, je me lave. Après le sport, je me lave. Quand je rentre après, je repars au travail, je me lave. Quand je reviens à la maison, je me lave. Donc moi, au minimum 3-4 fois, je me lave dans la journée. Donc moi, je suis un mec propre. Donc arrêtez de dire que le noir pue, que le noir sent, le sang. Hey, vous arrêtez de dire n'importe quoi sur nous les noirs. Nous les noirs, on respecte le peuple humain. Nous les noirs, on respecte les gens. Donc en échange, on vous demande aussi de nous respecter. Respecter l'être humain en général. Voilà. Si tu respectes ton prochain te respectera. Mais si tu ne respectes pas ton prochain ne te respectera pas. Et vous, les dirigeants africains, faites en sorte qu'on respecte votre peuple, qu'on respecte vos peuples, qu'on respecte vos enfants, vos fils, vos parents. Ne fermez pas vos yeux. Parce que quand vous allez les ouvrir, ça sera une catastrophe humaine qui sera autour de vous et vous allez pleurer des larmes de sang. Le Black Friday. C'est pas pour moi. À bientôt la famille. Ciao.